Salut les amis, c'est Clone. Et donc, dans la suite de mon aventure sur Ark Survival Evolve, en mode primitif plus, et regardez-moi ça, je suis en train de tamer un tressé qui va m'aider en fin de compte à farmer tout ce qui est les narcotiques et autres. Donc je me suis servi un peu de mon piège avec la porte là-haut, on va dire que bah pas vraiment un piège, mais ah, c'est un peu chiant là, j'arrive pas à accéder à son inventaire. Voilà. Je me suis servi de la porte en fin de compte, comme ça je suis monté dans les escaliers, je l'ai fléché, j'ai mis 4 ou 5 flèches, je crois, il me semble. 6, je sais plus exactement. Et bah voilà, il est tombé. Comment ça donc? J'ai faim. Avec tout ce que j'ai sur moi, j'ai faim. N'importe quoi. Et aussi, ce que j'ai vu, là, il y a de la... Ça, là, ici, la graisse, ça nourrit. En fin de compte, on peut s'en nourrir. Donc, ce que j'ai récolté sur le Fiomia. Donc, ça se nourrit. On peut s'en nourrir. Bon, je vais continuer à tamer mon tricé. Hein. Bon, c'est un mâle de niveau 19. Donc, c'est sympa. Il va gagner un peu de level théoriquement, peut-être pas 9, mais bon, si l'on gagne 9, ça sera parfait, ça sera que plus puissant. Là-bas, il y a un dodo encore, mais c'est encore un dodo mâle, quoi. C'est dommage, j'aurais bien mis dans mon enclos avec les autres dodos. Voilà, bon, et que je continue à le tamer, je vous dis à tout à l'heure. Et me revoici, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il est bientôt apprivoisé. Et regardez, petite surprise. J'ai un pteranodon qui est venu se poser à côté. J'en ai profité. Je me suis refait un bolas et je l'ai fléché à la narcotique. Donc, par contre, il va falloir que je fasse, que j'aille chercher mes pots de narcotique parce que je n'ai vraiment pas suffisamment. Je n'ai plus de narcotique sur moi là. Je vais lui en mettre quelques baies si je peux en récupérer quelques-unes. Et lui là il est un peu bugué dans le. Il voit pas qu'il a un gros rocher là qui le gêne. Non, il voit pas. Il voit pas clair. Donc je continue à apprivoiser, à tamer ces deux. Mon tricé et le ptera. Et on continue l'aventure. Allez, à tout de suite. Et voilà! Donc me voici donc avec plus d'eau. Triceratops de niveau 30 maintenant. Et donc, Turul, mon Ptera, m'a fait une femelle Ptera qui est passée niveau 58. Elle était niveau 40 au départ. Buldo, je sais plus exactement. Alors, je vais démonter ça. Un peu de bois, charbon, c'est pas grave. Alors, par contre, pour faire passer Buldo là-haut, je vais devoir démonter. Forcément, je vais devoir démonter la porte ou alors il faut que je fasse tout le tour, mais je sais pas si je fais tout le tour. J'ai pas trop envie de faire tout le tour. Alors, est-ce qu'il va venir? Allez, viens. Tu montes, c'est parfait. Alors, ça, je vais faire. Détruire. On va tout casser. C'est pas grave. Il y aura encore les fondations. Je pense qu'il va pouvoir passer là. Oui. Impeccable. Allez. Allez bien. Non, me dis pas que tu bloques, s'il te plaît. Non, mais non, mais non, mais non. Bah ouais, mais là, ça va pas le faire, là. Ah, ça va être compliqué à le faire passer, là. Allez, fais demi-tour. Tourne-toi. Ah, il bloque toujours à cet endroit-là, quoi. Allez, viens. Il va pas arriver à passer, là. Ça va être compliqué. Ah.
Ça va être compliqué. Bon. On va essayer de faire le tour. J'espère pas tomber sur des gros méchants. Tu veux pas qu'on essaye une fois? Allez, allez, viens. Allez, tu vas être sympa. Allez, viens, on y va. Et toi, monte là. Bien gentil, mais tu me bloques là. Allez! Et pourquoi tu bouges plus, toi? Voilà quoi. Malheur. Pas possible ça. Voilà, passe là. Je vais le faire passer là. Je vais retirer celle-ci. Allez. Et tu vas passer là. Allez, viens. Allez, Buldo. Ouais, c'est bon, il passe. Arrête-toi! Non, mais c'est pas possible. T'es pénible. Je suis trop chargé. Superbe. Qu'est-ce que je vais me... Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Il me bloque encore, lui. Qu'est-ce que je vais pouvoir me retirer encore? Voilà, normalement c'est bon là, non? C'est encore lui qui me bloque. Mais t'es quand même terrible, toi, hein? Je suis bloqué. Merci. Merci de me bloquer, hein. C'est sympa. Heureusement qu'on peut se baisser. Hein. Allez, allez Buldo, on y va parce que sinon ils vont encore nous, ils vont encore nous bloquer. Allez, viens. Ah là, c'est chaud, hein. Il passe tout juste. Voilà, c'est bon, on y est. Allez. On mange un petit bout au passage. Ah bah, t'énerve pas, c'est bon. Je pense que Turul, là, quand j'aurai la selle, c'est un Aptera assez rapide. Je vais pas regarder toutes ces statistiques, mais allez, on boit un petit coup, ça fait du bien. Excellent. Bon, ça va me changer quand même la vie d'avoir un trissé pour récolter les baies et autres, et même pour me défendre. Ça va être sympa. Alors, tu bouges pas, voilà, tu restes là. Et toi, tu vas, voilà, tu vas te poser, hein? Bon, normalement, il n'y a pas de bête hostile dans le coin. La zone est assez sympa. Et puis, ce que je vais faire, bah, tout de suite, avant de partir, on va dire. C'est regarder mes points d'engramme et je crois que je peux accéder à la selle du tricé, du trike, voilà, 10 points. Allez, j'en avais 19, c'est parfait. La selle, je la mets dans les selles ici et donc il me faut 140 pots. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les fiumia là, j'ai pu avoir énormément de pots. C'est super, voilà. Ça c'est cool. Je remets ça là. Enfin, je remets, refasse les coffres. Oh, 43 pots, 43 viandes. Je pourrais me faire de la narco. Si j'ai suffisamment de narcoberry, des baies.
Alors, je vais me mettre encore de la vitesse. Et bien pouvoir courir vite. Voilà. Alors, il faudrait peut-être que j'aille sur ton inventaire à toi. Ce serait mieux. Voilà. Et toi aussi, tu as augmenté. Donc, on va te mettre en vitesse aussi. Et t'as plein de choses sur toi. Allez. Oh là 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 là. Ça va être super, ça. Est-ce que tu vas... Ah ouais, cool. Ça va changer la vie, ça. Pouvoir récolter des BO beaucoup plus rapidement. Alors, je crois que nos dodos, ils avaient pondu. Ah bah non, mais l'œuf a disparu. Il y avait eu un œuf, bon j'avais pas pris. Je pensais qu'il était bon pour féconder, mais non. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai perdu un œuf. Et voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes aventures sur Ark en mode avec le mode primitive plus. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!